J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo comme tous les fins de mois de mon compte rendu d'achat. Alors ça va être assez rapide ce mois-là, il y aura beaucoup moins de choses que le mois dernier. Il y a 3 jeux PS5, un petit lot de films UMD, un Blu-ray et puis je crois que ça va être tout. Hein. Donc c'est beaucoup plus maigre que le mois dernier mais c'est pas très grave. Tout simplement parce qu'il y a eu les 25 ans de Pokémon, donc ils ont sorti beaucoup de coffrets. Alors j'ai pas mal dépensé en cartes Pokémon, c'est pour ça que j'ai pas trop acheté de jeux. Enfin bref. On va commencer par le lot de films UMD. Voilà, donc c'est mon pote qui a réussi à me trouver ça, je ne sais pas où, sur un lot sur eBay, je crois. Donc un petit lot de films UMD. Donc il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Moi je dis oui, parce que du coup, je collectionne les films. Alors on va commencer par Archiculte. Je l'ai regardé, Les Bronzés font du ski. Voilà, je ne l'avais même pas en DVD, je le rentre en UMD. J'avais déjà Les Bronzés 1 et Les Bronzés 3, donc du coup celui-là c'est le deuxième, Les Bronzés font du ski. Je l'ai rematé l'autre soir dans ma chambre, avec, j'avais branché une enceinte Bluetooth sur la PSP, donc du coup je me suis rematé Les Bronzés font du ski. Ça fait des années que je n'avais pas vu, mais franchement c'est toujours aussi culte. Hein. Et puis bah, les autres films, il y a des films que je connais, d'autres que je connais pas. Chicken Run, je crois que je n'ai jamais regardé Chicken Run, je connais juste deux noms. Kill Bill volume 2, parce que j'avais déjà le premier, que j'ai toujours pas regardé. Le premier Kill Bill, donc du coup, il m'a trouvé le 2. Le masque de Zorro, voilà. Donc je les passe assez rapidement, parce que je ne sais pas si ça vous intéresse énormément. Team Riders, alors ça par contre je connais pas. Voilà. Donc même s'il y a des films que je connais pas pour la collection de films UMD, bah, je les prends quand même. Alors ça c'est un manga apparemment par le réalisateur de Akira qui s'appelle Steam Boy. Voilà, donc si vous me connaissez, bah dites-moi en commentaire ce que ça vaut. Je pense que c'est du manga, mais un peu du vieux manga je pense, parce que quand on voit les screens derrière. Donc là il est sous blister, mais je pense que c'est du blister refait, hein, c'est pas du vrai blister. Donc un petit manga, ça peut être cool quand même, Steam Boy, voilà. Donc je vais sûrement l'ouvrir parce que l'UMD il se balade à l'intérieur. Également sous blister, même si c'est pas du vrai blister, le premier Bad Boys, voilà, donc avec Will Smith et Martin Lawrence, c'est ça. Donc moi je suis pas énormément fan de Bad Boys, mais il était dans le lot. Ça, hyper content, un film de super-héros. Le premier X-Men, voilà, donc je suis très très fan moi des films X-Men, voilà. C'est mon premier sur UMD. Un film de Bruce Lee, moi je suis pas fan, mais je l'ai pris pour la collection, qui est Opération Dragon, voilà. Donc moi je suis pas trop fan de ce genre de film. Et un autre dessin animé, par contre là je suis hyper content, l'éponge la plus connue des dessins animés, Bob l'éponge le film, voilà, donc sur UMD, voilà, donc franchement c'est vraiment super top d'avoir récupéré ce petit lot de films UMD qui s'ajoute à la collection. J'en ai quand même pas mal, hein, ça commence à bien monter, à vue d'œil comme ça je dirais entre 25 et 30 films quand même que j'ai sur UMD. Donc, c'est une petite collection, moi j'aime bien faire, oh là, il y a mes figurines qui tombent. C'est une petite collection que moi j'aime bien faire et je sais pas si ça intéresse tant de personnes que ça. Donc c'est pour ça que j'arrive à en choper grâce à mon pote que j'ai chopé solo. Donc ça c'était tout pour les films UMD. Un autre film là en Blu-ray. Du coup c'est le troisième volet de Conjuring, voilà, que j'ai acheté en Blu-ray à 15 balles. Alors ce Conjuring il change complètement du 1 et du 2. Hein. C'est, de toute façon à chaque fois c'est des histoires différentes. Mais c'est pas du tout basé sur les mêmes histoires que le 1 et le 2, je veux dire. Donc c'est plus une affaire de sorcellerie, voilà. Donc j'ai trouvé beaucoup moins bien que les deux premiers. Bah, après, je l'ai regardé qu'une seule fois. Il va falloir que je me refasse un autre avis en le regardant une deuxième fois. Mais j'ai trouvé sympa, mais beaucoup moins que le 1 et le premier. Par contre, la scène du début, là, où, je spoil pas, mais au tout début, il y a un enfant qui se fait exorciser, là, franchement, c'est génial. Le début est super. Voilà, donc ça c'était le seul Blu-ray. Maintenant, 3 jeux PS5, et du coup, ça sera déjà tout pour cette vidéo. Alors, sur ces 3 jeux, il y a 2 jeux neufs et un jeu d'occasion. On va commencer par le jeu d'occasion. Alors que j'y ai mis un peu le prix, j'ai hésité quand même, c'était dans un magasin cash. Il était à 30€ d'occasion. Sur le coup, je savais pas trop comment faire. Et puis, du coup, je l'ai pris quand même. C'est le Immortal Phoenix Rising, voilà.
Donc j'avais déjà joué à ce jeu sur l'Xbox, avant d'avoir ma PS5, j'avais ma période Xbox, donc j'avais joué sur Xbox. Je l'avais revendu sur Xbox parce que je voulais avoir la version PS5. Donc quand j'ai vu qu'il était à 30 balles dans le magasin cash, j'ai un peu hésité, mais je l'ai pris quand même. Donc c'est un super jeu, franchement. Moi je préfère largement ce Immortal Phoenix Rising que le Zelda Breath of the Wild. Je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. J'ai fait le prologue du jeu. Pour l'instant, j'ai fait que le prologue entièrement en live. Je crois que le live il dure 1h30 à peu près. Donc si vous voulez voir le début de l'aventure, du coup le rediff du live est toujours dispo sur la chaîne. Et du coup je vais continuer parce que j'avais vraiment bien aimé. Et moi sur Xbox je ne l'avais pas fini. Donc je ne sais pas si je le ferai complètement sur PS5, mais au moins je le rajoute à ma collection PS5, voilà. Donc c'était le seul jeu d'occasion parce que les deux autres sont en neuf. On va enchaîner par un jeu que j'ai chopé aujourd'hui même parce que j'ai été à Leclerc faire mes courses et du coup j'ai réussi à le trouver parce que le jour même il l'avait pas. J'ai fait deux Leclerc, il l'avait pas. Donc c'est le troisième volet de Dark Pictures, donc du coup c'est House of Ashes. Donc je sais pas si vraiment je le prononce bien. Donc le troisième volet de Dark Pictures, voilà, donc je le voulais absolument parce que moi j'avais adoré le premier et le deuxième sur PS4, donc du coup je peux vous les remontrer. Donc le premier, pour ceux qui connaissent, c'était Man of Medan. Et le troisième, et le deuxième, c'était Little Hope. Voilà. Donc du coup, j'ai les deux premiers sur PS4. Et le troisième qui s'ajoute à la collection sur PS5. Oui, deux minutes. C'est toujours comme ça. Dès que je fais des vidéos, il y a toujours des messages. Je vais couper le son. Donc voilà, c'est fait. Alors du coup je disais que j'ai chopé le troisième volet de Dark Pictures, donc du coup c'était aujourd'hui même en faisant mes courses, donc ça c'est top. Il était à 25€ dans le Leclerc, donc ça c'est vraiment génial, 25€ le petit jeu de PS5. Après c'est des petits prix parce que c'est le genre de jeux qui sont pas très longs, c'est des jeux qui se font en 6-7 heures. Je me rappelle Little Hope et Man of Medan, j'avais dû faire 6-7 heures par jeu, donc je pense à mon avis ce troisième est à peu près dans les mêmes durées de jeu, dans la durée de vie. Et comment, je me suis pas spoilé, mais j'ai eu quelques avis de le test de Julien Chiez et Carole Quintaine, qu'apparemment il était beaucoup moins bien que le 1 et le 2, donc à voir. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les deux d'avant, c'est à chaque fois c'est une histoire différente, donc si vous voulez commencer par n'importe quel jeu, vous pouvez. Même si vous commencez par celui-là qui est le troisième, il n'y a aucun problème. Donc du coup, ça c'était aujourd'hui même que j'ai eu 25€ comme je l'ai dit, donc un super prix franchement. Et on va finir par le dernier jeu de PS5 que j'ai acheté à la sortie. C'est le gros Far Cry 6. Voilà, donc pour moi, pour l'instant, c'est le gros jeu pour moi de la PS5 parce que j'ai pas non plus des gros jeux sur PS5, je veux dire. Que j'ai vraiment très très bien aimé. Si vous avez kiffé le 3, vous allez kiffer celui-là parce que c'est à peu près les mêmes décors, on va dire, sur une île paradisiaque un peu. Même si j'ai adoré le jeu, gameplay est génial. L'histoire est pas très ouf, par contre, ça c'est un point négatif. Niveau durée de vie, j'ai fait en ligne droite l'histoire continue, j'ai mis 20aine d'heures, donc c'est une durée de vie assez acceptable. Et après j'ai continué encore quelques heures parce que je voulais encore débloquer quelques trophées, mais j'ai pas fait tout à 100%. Là j'ai un peu arrêté vu que j'ai lancé le Immortal Phoenix Rising, du coup j'ai un peu laissé de côté ce Far Cry 6, mais j'ai quand même super bien aimé. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, pas de grosse nouveauté, hein. Quand on arrive sur l'île, on chope directement le grappin, on a directement le parachute. En fin de compte, niveau gameplay, niveau contenu du jeu, il n'y a rien de nouveau, quoi. Mais franchement, c'était plutôt sympa. Par contre, niveau histoire, ouais, comme j'ai dit, c'était pas très très ouf. Attention, gros spoil, je mets des guillemets. Attention si vous voulez pas entendre. La fin du jeu, je l'ai détesté. Je vais vous dire pourquoi. Attention, je vais vraiment dévoiler la fin du jeu. Tout simplement parce que le méchant qu'on incarne, Antonio... comment il s'appelle ? Anton. Anton, je suis plus, enfin bref. Et du coup, à la fin, il tue son fils d'un coup de pistolet et il se tranche la gorge. Et après, boum, c'est fini. Alors moi, je suis resté sur ma fin, je me suis dit, ok, d'accord. Moi, je pensais qu'il allait avoir un combat de boss, un truc comme ça, mais en fait, pas du tout. La dernière mission, en fin de compte, vous allez dans son immeuble. Et une fois que vous arrivez à l'étage de l'immeuble, il y a une cinématique et hop, le jeu est fini, l'histoire est finie. J'ai été assez déçu. Je pensais qu'il allait avoir un boss à tuer, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, du coup, c'était tous mes achats du mois déjà. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose. 3 jeux PS5, le lot du MD et le petit Blu-ray de Conjuring. Voilà. Donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je peux également vous montrer ceci. C'est le coffret Leclerc. Voilà, donc que j'ai réussi à avoir dans un Leclerc. Apparemment, ce coffret est exclusif à Leclerc. Mais ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas du tout du Célébration. Hein. C'est des coffrets de base. Dedans, il y a du Évolution Céleste apparemment. Donc du coup, ce coffret arrivera sur la chaîne, mais dans plusieurs semaines.
puisque là, les deux prochaines semaines, il y a encore du célébration. Logiquement, après, il y a une vidéo avec Akira, donc si vous êtes fan du photo Akira, on a fait une ouverture de booster avec lui. Et après, la semaine encore d'après, donc dans 4 ou 5 semaines, j'ouvrirai ce coffret Le Classe. Donc du coup, j'ai pas mal de vidéos d'avance entre les coffrets célébration, la vidéo d'Akira et ce coffret. Et du coup, je suis refait, j'ai pas mal de vidéos d'ouverture en avance. Donc voilà les amis, j'ai fini ma vidéo, mettez un gros pouce bleu, les commentaires comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, on vous connaissez la chanson. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mercredi prochain, une ouverture de cartes Pokémon, des coffrets célébration. Et le week-end prochain, vous verrez bien s'il y a une vidéo ou pas. Bon allez, ciao.